D'abord, j'entends ce bruit lointain, des vagues qui se brisent. Ça me trouble. Je me sens mal à l'aise, très mal à l'aise. Je sens toute cette eau qui semble me submerger. Elle me recouvre peu à peu. J'ai une sorte de vertige. J'essaie vainement de respirer. En fait, je coule. De l'eau, toujours de l'eau, comme dans chacun de mes cauchemars. Pourquoi ? Une seule chose est sûre, tout a commencé lorsque j'ai perdu Thomas. C'est étrange. Quand on perd un enfant, on ne réalise pas tout de suite. Il y a un moment bien précis où vous sentez au fond de vous qu'il n'est plus là. Et après, on revit ce moment encore et encore. Dans la vie ou pendant le sommeil, c'est toujours pareil. Je pense sans cesse à ce que j'aurais pu faire. Aux simples mots qu'il fallait dire ou éviter de dire. Peut-être que ça aurait dévié le destin. Son art et ses peintures sont les seules choses qui me restent de lui. Toujours ce même rêve qui revient me torturer encore et encore. Oh, je suis fatiguée, docteur. Est-il possible que vous utilisiez ces rêves récurrents pour justifier votre désir de retrouver Thomas ? Rien ne vous Je n'ai pas besoin de justifier quoi que ce soit. Vous m'entendez ? C'est mon fils, docteur. Je l'aime tellement. Il me manque. Vous savez très bien que cette quête gâche votre vie de femme et votre vie professionnelle. Pourquoi reparler de mon divorce à nouveau ? C'est la meilleure chose que j'ai faite. Cessez de vous culpabiliser afin de le protéger. Qu'il soit vivant ou mort. Assez parlé. Sarah. Excellente journée. Allez vous faire foutre, docteur. Essaie de grandir, Thomas. Je ne vais pas te laisser abandonner toutes ces années d'études pour devenir une espèce d'artiste torturé. Maman, je vais être peintre, c'est toute ma vie. Retourne à l'université. Essaie d'établir les bases d'un vrai métier. Pour un Dali ou un Picasso qui ont réussi, il y a 10 000 artistes qui crèvent de faim et qui n'ont jamais vendu une seule toile. Maman, je veux être peintre, c'est toute ma vie. Ça suffit, Thomas, ça suffit. Reviens dans le monde réel. Tu trouves que je suis un raté, c'est ça ? Maman, je veux être peintre, c'est toute ma vie. Où est-ce que tu vas ? Je me tire d'ici, je veux plus te voir. C'est toute ma vie. Tu crois que je suis raté ? Thomas. Je me tire d'ici, je veux plus te voir. Tu crois que je suis raté ? Tu crois que je suis raté ? Je me tire d'ici, je veux plus te voir. Vous avez aussi cherché à Paris ? Nous avons cherché partout, Madame Hathaway. Europe, Amérique, Amérique du Sud. Je vous le dis depuis des années. Vous perdez votre temps et votre argent. C'est mon argent, c'est mon problème. Vous devriez vous préparer à l'éventualité que votre fils Thomas... Mon fils est vivant. Alors il évite qu'on le retrouve. Continuez à chercher. Madame Hathaway, c'est tout ce que nous avons trouvé. En toute bonne conscience, nous ne pouvons plus accepter votre argent. Je suis désolé. Tu penses que je suis un raté ? Je veux juste que tu songes à ton avenir. Mais j'y pense à mon avenir, maman. Thomas, où est-ce que tu vas ? Excuse-moi, chérie. C'est trop tard. Je t'en prie, pardonne-moi. C'est trop tard, j'ai dit. Je ne peux plus entendre ça. Où est-ce que tu vas ? Je me tire d'ici. Je veux plus te voir. Tu reviendras, Thomas. Tu reviendras. Tu reviendras.
est ouvert. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Mais Kelly va arriver pour préparer le dîner. C'est ça, oui. Kelly est parfaite pour toi. Tu as toujours eu besoin d'une mère, pas d'une femme. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai trouvé. J'ai retrouvé Thomas. Ça y est, c'est reparti. Tu te souviens des iris? Ceux qui bordaient la lisière du jardin? Regarde. Regarde. C'est lui. C'est lui qui a peint. Regarde. Regarde l'autre page. C'est lui, ça. C'est vrai que ça ressemble à son travail. Paul Bergamo? Je sais, c'est un pseudonyme. Tu te souviens, pendant ses études, Thomas est parti suivre un programme. Il a résidé à Bergamo, en Italie. L'enquêteur m'a donné ce catalogue. Apparemment, c'est tout ce qu'il a pu trouver. Une vente aux enchères à Saint-Pétersbourg, la semaine prochaine. Saint-Pétersbourg, Californie? Non, en Russie. Ben, c'est notre devoir d'y aller. Wow. Ben, on c'est la première d'accord. fois qu'un nouvel espoir nous est offert. Réfléchis. Je ne peux pas y aller. Je suis fatigué. Je ne veux pas affronter une nouvelle déception. Nous sommes ses parents, Ben. Nous devons essayer encore. Nous avons cherché notre fils pendant des années et nous avons échoué. C'est une obsession. Tu te rends malade. Sarah, n'insiste pas. À présent, laisse-moi. Ma femme va rentrer. Détendez-vous. Regardez ma main. Détendez vos bras. Détendez vos mains. Relâchez tout votre corps. Comme ça, oui. Je veux que vous vous imaginiez dans un endroit chaud et sécurisant. Vous voyez quelque chose? Oui. Dites-moi ce que vous voyez. Je me vois en train de prendre un bon bain chaud. Et que faites-vous exactement? Je me coupe les veines avec une lame de rasoir. Ici le docteur Hathaway. Je vous prie d'annuler toutes mes consultations de la semaine. Non, je pars à l'étranger. Oui, madame. Puis-je vous aider? J'ai une chambre réservée au nom de Sarah Hathaway. Une minute, s'il vous plaît. Vous pouvez vous dépêcher? Puis-je entrer, messieurs? Bien sûr. Bienvenue à la galerie des Iris. Où êtes-vous né? Vous parlez très bien notre langue. Je parle couramment quatre langues. J'ai vécu aux quatre coins du monde. C'est votre galerie? Oui. Excellent travail. Oui, excellent. Il a toujours adoré ses iris.
Il m'en offrait souvent des bouquets lorsqu'il était petit garçon. Vous connaissez l'artiste ? Je crois que c'est mon fils. Votre fils ? Nous ne nous sommes pas vus depuis environ 10 ans. Faites attention. Paul Bergamo ? Ce n'est pas son vrai nom. Vous êtes sûr que c'est votre fils ? C'est son travail. Je le reconnais. Pouvez-vous me dire où il vit ? Non, nous ne communiquons jamais d'informations personnelles sur les artistes. C'est confidentiel. Faites une exception, je vous prie. Je suis sa mère, après tout. Paul m'a dit que sa mère était morte lorsqu'il était adolescent. S'il vous plaît. Adressez-moi une demande d'information par écrit. Je ne peux pas vous promettre que vous aurez une réponse, mais je transmettrai à Paul. Je peux vous poser une question ? Où avez-vous rencontré Thomas ? Dans une école d'art. Donc, il est là, à Saint-Pétersbourg. Docteur Hathaway, je vous conseille d'arrêter de jouer les détectives et d'aller vous promener dans les splendides rues de la ville. Faites attention aux enfants, ce sont souvent des voleurs. Une touriste américaine comme vous risque d'être une proie facile. Allez, tu dégages, je vais pas te répéter, hein. Taxi ! Taxi ! Hôtel Astoria, s'il vous plaît. Il faut m'enlever cette peinture. Paul, c'est Rebecca. Une femme est venue à la galerie et elle prétend être ta mère. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je cherche mon fils depuis des années. Je suis sûre qu'il est là, à Saint-Pétersbourg. J'espérais que vous pourriez m'aider. Écoutez-moi, je... C'est un peintre, il est... Je ne comprends strictement rien à votre histoire. Je ne sais pas, vous pouvez peut-être me renseigner sur... Je vous ai répondu à ce sujet, il me semble. Les artistes se retrouvent où ? À Saint-Pétersbourg. C'est toujours la même chose, vous êtes très obstinée, madame. Les jeunes Américains fréquentent sûrement fatigant. Des cafés ou des restaurants, des lieux de rendez-vous. Non. Les tableaux de mon fils sont exposés à la Galerie des Iris. Son nom est Thomas. Vous connaissez ce peintre ? Ah, нет, понимаю. Quelque part dans ce coin-là. Par là. Vous connaissez ? Oui, je crois que je reconnais cet endroit. Thank you.
Pouvez-vous me dire qui habite au cinquième étage? Là. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu me fais peur. Лежите, больна, доктор уже идет. Je suis à l'hôpital. Oui. Un hôpital psychiatrique. En fait, vous êtes en observation. Je suis le docteur Ivan Borisov. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? La majeure partie de notre matériel date des années 70. Toujours très efficace pourtant. Je dois faire un diagnostic. Quel genre de diagnostic? Apparemment, vous avez dérangé une cérémonie funèbre. Puis vous avez couru toute seule dans le cimetière. En hurlant tellement fort que vous avez réveillé les voisins. Dans le cimetière? Non. À l'appartement des environs. Lorsque la police est arrivée, vous étiez déjà assommé vous-même.
Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose? Oui, bien sûr. Par contre, je n'étais pas seule. Je courais après mon fils. Avez-vous déjà été traité pour des troubles d'ordre psychiatrique? Des névroses? Vous prenez des médicaments? Je vois un psychanalyste. Pourquoi est-ce que vous le voyez? Insomnie. Alors, pourquoi courir après votre fils? Il a besoin d'aide. Il a un problème? Oui. Mais s'il a besoin de votre aide, pourquoi cherche-t-il constamment à vous fuir? C'est une longue histoire, docteur. Pas le temps de vous expliquer. Attendez, attendez. Vous devez vous reposer. Vous avez peut-être un traumatisme cérébral. Détendez-vous. Девочки, присмотрите за ней, хорошо? Je serai de retour dans 10 minutes. Vous devez m'attendre. Très bien. Docteur Hathaway, réjouissez-vous. Vous n'avez pas de traumatisme. Et j'ai appelé votre mari. Vous plaisantez? Non, j'ai appelé votre mari. C'est mon ex-mari. Pourquoi? Pour lui faire savoir que vous êtes hospitalisé. Et votre ex-mari prétend savoir que... Quoi? Il dit que vous êtes en pleine dépression nerveuse. Vous devriez retourner chez vous, madame. Votre docteur vous attend. Je suis venue à Saint-Pétersbourg pour une bonne raison. Et je ne quitterai pas cette ville avant d'avoir trouvé mon fils. Thomas? Toda. Excusez-moi. Vous habitez ici? Yeah? Ouais. Depuis longtemps? 3 ans. Asta. Vous vivez seul? Seul. Américaine. Vous, américaine? Oui. Vous, Américain, cherchez appartement pour louer? Non. Je louais bien pour vous quand je finir le travail dans la maison. Merci. Bon, merci.
juste un peu d'eau, s'il vous plaît. De l'eau plate. Une vodka, s'il vous plaît. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Je suis en retard. Oh, non, aucune importance. Je suis ravie que vous soyez venue. En fait, je voudrais m'excuser auprès de vous pour cette attitude un peu stupide que j'ai eue. Cette impatience incontrôlée, un peu brutale, dans votre hôpital. Je suis comme ça. Je peux comprendre ce genre de choses. Merci. Merci. Je crois que je ne sais plus quoi penser de tout ça. Je fais toujours ces rêves épouvantables. Aussi étrange que cela puisse paraître, je vois des choses ici, dans cette ville, que j'ai déjà aperçues dans mes rêves. Saint-Pétersbourg est une cité mystique. Elle fait souvent cet effet-là sur les gens. Non, je ne parle pas d'avoir des visions. Je ne sais pas de quoi je parle, en fait. Pardon. Je suis désolée. C'est dur pour moi de l'admettre, mais... je n'ai pas été une très bonne mère. Il a fui à cause de moi. Je le sais. Lorsqu'il est parti, j'étais tellement furieuse, tellement blessée. Et aujourd'hui, il ne me reste rien de lui. Hormis cette bague qu'il m'a offerte lorsqu'il avait 10 ans. Les regrets sont des monstres tenaces. Oui. C'est étrange. Je sens qu'il est là, quelque part. Intuition maternelle, sans doute. Mais pourquoi pensez-vous que votre fils est à Saint-Pétersbourg? J'ai vu ses peintures dans un catalogue de Saint-Pétersbourg. Quel catalogue? Celui de la galerie des Iris. Je n'ai aucun doute, c'est son travail. J'en suis certaine. La galerie des Iris? Oui. Mais ce sont les toiles de Paul Bergamo qui sont exposées. Je crois qu'il s'agit d'un nom d'emprunt. Vous connaissez ces toiles? Je connais Paul Bergamo, personnellement. D'où le connaissez-vous? Sa femme est une patiente. Sa femme? Oui. Il est marié? Uh-huh. Oh, cher Thomas. Il va bien. Il va bien. Je peux vous le présenter sans aucun problème. Oh. Et vous savez quoi? Je peux le faire ce soir. Oh, c'est extraordinaire. Il va y avoir une petite fête ce soir. À la galerie, avant la vente aux enchères. Je n'arrive pas à y croire. Paul sera présent. Et je suis invité. Je savais que j'avais raison, je le savais. C'est vrai, elle est mystique, cette ville. Exact. Pourquoi me suis-tu? Disparais! Sarah! Je vous ai manqué? Je dois dire que oui. Peut-être le rencontrer en tête à tête. Allez, et si on buvait un verre? Ça va vous détendre.
Bonsoir. Bonsoir. Je vois que vous avez invité quelqu'un. Venez. Paul, cette femme est venue spécialement de Los Angeles pour t'adopter. Ah, quel plaisir de vous rencontrer. Bienvenue au fan club. Enchantée. Vous êtes Paul Bergamo ? C'est exact, madame. C'est vous qui avez peint tous ces iris ? Ouais, c'est du bon boulot. Les autres fleurs étaient prises. Monet avait ses nénuphars. Van Gogh avait ses tournesols. Moi, ce sont les iris. Quoi ? Vous ne les aimez pas ? Au contraire. Vous avez le droit. Aucune importance. Parfois, il m'arrive de les détester moi-même. Voici ma femme. Elle adore mes iris. Et moi, j'adore ma femme. Ma femme. Je suis désolé. Il a un peu bu, c'est tout. Je vais partir. Je prendrai le prochain vol pour Los Angeles. Vous savez, Ivan, le plus étrange, c'est que je sens toujours que Thomas est là, quelque part. C'était bien sa peinture. Ou probablement mes hallucinations. Non. Je pense que c'était votre cœur de mer. Comment ce Bergamo peut-il peindre comme Thomas ? Oh, c'est assez courant comme phénomène. Souvent, différents artistes sont inspirés par la même source. Ça arrive. C'est juste. Paul, deux toiles ont déjà été achetées dans les 5 premières minutes et pour le reste, il va falloir augmenter sensiblement les prix. C'est une excellente affaire. Tu ne sais parler que de pognon, ma chère Rebecca. Parce que toi, tu t'occupes d'art, peut-être. Tais-toi. Je ne fais pas ça que pour le fric. Je dois commencer à préparer mes bagages. Sarah, je suis en train de comprendre une chose. Vous allez me manquer. Je sais ce que vous voulez. Mais je viens de traverser une expérience extrêmement douloureuse. Vous n'allez pas compliquer les choses en y ajoutant une histoire d'amour. Si. Vous savez ce que j'en pense ? Non. Ça n'a pas d'importance. Adieu. Va-t'en. Mon sac ! Il a volé mon sac ! On va se mourir de temps, arrête-toi ! Mon passeport ! Suivez le bus, vite ! Là, c'est ce bus. Thank you.
que tu attends de moi ? Pourquoi vous êtes là? Elles sont belles, vos fleurs. J'adore les iris. Rebecca, elle dit toujours qu'elle planterait des iris sur ma tombe. Êtes-vous sûre que c'est prudent d'être ici toute seule? Si vous voulez, je vous emmène. Où ça? À la maison. Chez Paul. Rentrez chez vous. Je ne viendrai pas. Il n'y a rien à faire. Il m'arrive parfois de le voir dans ses peintures. Il m'arrive parfois de le voir parmi les fleurs. Parfois, je le vois... Vous voyez qui ? Thomas. Pardon ? Qu'avez-vous dit ? Vous essayez de me communiquer quelque chose ? Non. Rien du tout. C'est trop tard. Vous ne devriez pas être ici. C'est trop tard. Dis-moi, qui es-tu? Qu'attends-tu de moi? Allez, viens. Je vais t'acheter à manger. Viens, mon garçon. Très chère madame, je suis désolé pour ce vol qui a été commis dans notre hôtel. Vos bagages sont revenus à l'hôtel. Nous appelons la police? Non, 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 ce n'est pas la peine. Ce n'était qu'un simple incident. Mais j'ai raté mon avion. J'aimerais embarquer sur le prochain vol. Sans problème, madame. Et n'oubliez pas de monter un canapé pour mon jeune invité. Bien, madame. Et montez aussi mes bagages dans la chambre. Viens avec moi. Viens. Tu as besoin d'un bain. Donne-moi ces crayons. N'aie crainte, je te les rendrai tout à l'heure. Tu vas prendre un bon bain chaud. Et ça, c'est pour toi. Tu es un joli garçon. Viens à table. Attends, laisse-moi te montrer. Tu as perdu ta langue ? Tu as une maman, un papa? Mais
Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je m'enferme moi aussi dans le silence. Peut-être pas totalement. Je devrais juste la fermer. Ce serait beaucoup mieux. Ah, le silence. Mon fils Thomas adorait dessiner. Il s'installait exactement comme toi, avec ce petit froncement de sourcils. Tu ne comprends pas un seul mot de ce que je dis, n'est-ce pas? Réveille-toi, s'il te plaît. C'est le visage de mon fils Thomas. Tu connais mon fils? Dessine-moi comment tu l'as rencontré. Tu peux le faire? Tu as peur de dessiner ce que tu sais. C'est pour ça que tu restes silencieux.
Je veux que tu te détendes. Même si tu ne comprends pas les mots que je dis, il te suffit d'écouter ma voix. Écoutez ma voix. Je veux que tu fixes cette bague. Regarde bien cette bague. Comme ça, oui. Tu es en sécurité. Personne ne va te faire de mal. Je ne laisserai personne te faire du mal. Détends tes bras, oui, détends tes mains. Détends ton corps tout entier. Imagine-toi dans un endroit paisible, très tranquille, où tu es en sécurité. Comme ça, oui. Très bien. Tu n'as rien à craindre. Tu peux dessiner ce que tu veux. Oui, continue. Reste calme. Qu'y a-t-il ? Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as ? Dis-moi ce qui se passe. Sarah ? Quelle surprise ! Tu es toujours ici ? Oui. Yvan, j'ai besoin que tu m'aides. Que se passe-t-il ? Cet enfant des rues, il m'a suivi un peu partout. Il sait quelque chose sur Thomas. L'enfant ? Oui. Il sait quelque chose ? Oui. Es-tu sûr ? Oui. Ça n'est pas un jouet. Il a dessiné un portrait de Thomas. Regarde. Et puis, j'ai hypnotisé cet enfant et il a dessiné ça. C'est un anglais. Ça ne te semble pas étrange ? Et l'enfant ne parle pas anglais. Non, c'est un enfant russe. C'est la clé de toute l'histoire. C'est la clé de toute l'histoire, hein ? Excuse-moi. Reste ici, je reviens tout de suite. Thank you.
attention. Oui. Ah, c'est toi. T'es moins sale. Tu sais quoi? J'en ai marre de ce môme. Il a faim, c'est tout. Mais il a toujours faim, tu vois. Tu lui donnes sans cesse de la nourriture, mais là, ça commence à m'énerver. Il s'introduit chez nous en pleine nuit. Allez, viens-toi. Tu me refais ce coup-là et j'appelle les flics. T'as compris? Katia, ne reste pas là. Tu es allergique à la poussière. Qu'est-ce que c'est, les seins? Rien, rien. C'est rien. Retourne dans ta chambre. Pourquoi je peux pas les regarder? Il fait trop sombre. C'est humide et c'est sale. Katia, va dans ta chambre. Et ne t'occupe plus de ce môme des rues. Ça commence à devenir n'importe quoi par ici. Oui, c'est trop chouette. Attends une seconde, Ivan. Sarah? Sarah? Allô? Ivan, Sarah, que se passe-t-il? Où as-tu disparu? J'ai vu des portraits de moi à la galerie des Iris. Tu te rends compte? Et il y avait aussi un portrait de Thomas. Mais de quoi tu parles? Comment es-tu rentrée dans la galerie de nuit? Je me suis débrouillée. C'est pas vrai. Où es-tu? Dans ma chambre, au même hôtel. Tu restes là. Je passe te prendre. D'accord. Следователь Катеузов. Désolé, mais je ne parle pas le russe. Да-да, по-русски. Мы тут, голубо, в России. Мы тут, голубо, говорим по-русски. Je souhaiterais avoir un interprète, s'il vous plaît. Чего она хочет? Кажется, она хочет переводчика. Переводчика хотите? Вы, голубо, сначала бы по-нашему научились, прежде чем к нам приезжать. И законы бы наши выучили. Я не знаю, как там у вас в вашей Америке, а мы тут в России по чужим домам, по ночам не шныряем. У нас, голубые, это незаконно. Je veux parler à quelqu'un du consulat. Какого теперь хрена ей надо? Кажется, она хочет консул. О. Консула хочешь? А хочет ли консул тебя?
На днях была серьезная травма головы. Понимаете, я уверен, что ее поведение – результат этой травмы. Голова, у меня за последний год было 3 сотрясения мозга, второй степени тяжести, между прочим. Я блюю после этого каждое утро перед завтраком. Но по чужим фатерам от этого по ночам я шастать не начал. Кстати, напомните, кто ты вообще такой тут? Я? Я Иван Борисов. Я психиатр. Она – это мисс Хэтэуэй, это моя пациентка. Эта женщина проходит интенсивный курс лечения в специализированной клинике. Она должна лететь домой в Америку. Давайте договоримся. Я беру все под свою ответственность. Dis-leur que mon fils a disparu et qu'il est retenu en otage quelque part à Saint-Pétersbourg. Paul Bergamo n'est pas un peintre. Il vend les œuvres de mon fils à sa place. Tu en as fait quoi ? Je vais arranger tout ça. Hein ? Она говорит, что она Клеопатра. Давайте договоримся, как два цивилизованных человека. Зачем вам все эти проблемы? Я все беру на себя. Я просто очень хочу, чтобы эта женщина спокойно вернулась к себе домой в Америку. Идет? Mais pourquoi est-ce qu'on s'en va? Ces gens de la police peuvent m'aider à retrouver Thomas. Sarah, est-ce que tu réalises qu'ils t'ont libéré à condition que tu aies quitté le pays dans la journée, d'accord? Et c'est moi qui en ai la responsabilité. Tu dois prendre l'avion de 8 heures qui te fera quitter Saint-Pétersbourg. Je ne vais pas partir maintenant. S'il te plaît, écoute-moi bien. J'ai quelque chose d'important à te dire. Mais tu es médecin, tu le sais déjà. Tu es en proie à un délire obsessionnel et hallucinatoire. Ton comportement psychotique peut te pousser au pire. C'est fini. C'est fini, Sarah. Tu n'as pas le choix. J'essaie de te sauver de toi-même, tu le sais. Je ne veux que ton bonheur, Sarah. Non, c'est faux, Yvan. Si tu voulais vraiment mon bonheur, tu m'aiderais. Comment? Comment puis-je t'aider? En retrouvant mon fils. Tu sais ce que tu dis? Cette histoire de disparition est issue des hallucinations de ton cerveau dérangé. Tu ne sais même plus ce qui est vrai. Et franchement, entre nous, est-ce que tu es vraiment sûr que tu as eu un fils? Excuse-moi, excuse-moi, je ne voulais pas dire ça. Attends, attends, je me suis mal exprimé. Sarah, je t'en prie. Je ne pourrais pas vivre si je savais qu'il t'était arrivé quelque chose. Sarah! Je pensais que tu me connaissais mieux que ça. Et les portraits que j'ai trouvés, les dessins de l'enfant. Comment peux-tu faire confiance à ce gamin? C'est un... un gamin des rues. Oh, quel gâchis. Oh. Alors, qu'est-ce qui a été volé? Mon argent. Oh. Rien d'autre? J'ai un collier de très grande valeur. Je suis surprise qu'il ne l'ait pas volé. Il faut appeler la police. Ça leur prendra un peu de temps pour arrêter ce petit voyou. Ce ne sera sans doute pas avant que tu prennes ton avion. J'espère qu'ils vont retrouver l'argent. Dans ce cas, je te l'enverrai immédiatement chez toi, en Amérique. Tu as raison. Il est temps que je rentre à la maison. Tout se passera très bien. Tu es très belle. Quel joli compliment. Thank you.
pas rater l'avion. Je vais y aller. Bonsoir. Le génie venu d'Amérique. J'en ai assez de lire des articles sur moi dans les journaux. Qu'est-ce que tu fous encore? Voici ta nouvelle muse. Sarah Hathaway. L'artiste est déprimé parce que cette femme a quitté Saint-Pétersbourg. Alors il s'est enfermé dans sa chambre, il refuse de manger. Il refuse de voir qui que ce soit. Alors j'ai attendu et voici les résultats qui sont assez bons, on dirait. Ça devrait nous donner une série à vendre bien chère. Sérieux, Jean. Ta. Magnifique. Vraiment étonnant. Quelle stratégie géniale. J'admire ton sens esthétique. Je ne pensais pas qu'une personne pouvait à ce point perdre son âme. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un agent si efficace que toi? Absolument rien, mon cher Paul. Je t'ai choisi. C'est tout. Tu t'es contenté d'être là. Ah. Très bien, je me tire. Et où comptes-tu aller, mon chéri? Je prends Katia et je rentre à la maison. J'espère qu'ils engagent toujours des livreurs de pizza. Parce que la dernière fois que je t'ai vu avec un pinceau à la main, c'était il y a quelques années. Ouais, quand tu posais nu pour moi, tu t'en souviens? Tu étais un peintre pitoyable. On ne peut pas peindre quelqu'un pour qui on n'a aucun sentiment. Même à l'école d'art, il s'agissait uniquement de sexe, pas de sentiment, Rebecca. Et même le sexe était médiocre. La médiocrité, c'était toi, Paul. Quant à Katia, elle a toujours aimé Thomas. Comment oses-tu me parler des sentiments de Katia? Tu n'as aucune idée de ce qu'elle ressent. Hé, hé, arrête, Paul! Qu'est-ce que tu fous là, Ivan? Sarah n'a pas pris l'avion. Elle a bien fait. Et je vais me permettre de vous dire quelque chose. Je ne veux plus bosser avec deux escrocs. Je me retire de l'affaire. On le laisse partir. Il faut décrocher cette toile. Et toi, Ivan? Qu'est-ce que tu vas faire de Sarah? J'en sais rien. J'ai déjà tout fait. Je veux être sûr qu'elle soit en sécurité. En vérité, je ne veux plus la voir souffrir. Il ne s'agit pas de Sarah. Je parle de mon business. Écoute, Rebecca, d'abord tu te calmes. D'accord? Cette pauvre femme doit savoir ce qui est arrivé à son fils. Nous avons fait assez d'argent comme ça. Ce n'est pas que pour l'argent. C'est ma propre vie qui est en jeu. C'est moi qui ai découvert Thomas. J'ai fait de la promotion comme une folle et évidemment personne ne se soucie de savoir qui est l'artiste. Personne ne sait qui a peint l'étoile. En fait, c'est moi l'artiste qui a créé cette galerie. C'est ton problème, tu le sais. Je veux te mettre en garde. Tu risques de finir en prison. Ah oui? Si je vais en prison, tu plonges avec moi. Un psychiatre n'est pas censé fournir à son patient des substances illégales. Il utilisait des drogues depuis des années. C'est faux. Il prenait des drogues de temps en temps et tu en as fait un toxicomane. Il a été toxicomane, des années, avant de te rencontrer. Tu saurais expliquer tout ça au tribunal, je suppose. En attendant, il faut m'enlever ces nouvelles peintures. Thank you.
Cynthia, donne-moi les clés, s'il te plaît. Je sais que tu les as. Non. Katia, s'il te plaît, si tu m'aimes vraiment, donne-moi ces clés. Arrête. T'es défoncé, Thomas. Je t'en prie, Katia. Donne-moi ces clés, s'il te plaît. Je veux absolument quitter cet endroit. Encore quelques jours, et je te promets que je te fais sortir d'ici, Thomas. Je te le promets. Tu vas sortir, Thomas. Tu vas sortir bientôt. Maintenant, je veux sortir maintenant. Écoute, je peux plus rester ici. Je n'en peux plus, je vais craquer. Tu dois m'aider, il faut me filer ces clés. Aide-moi, je t'en supplie. On est sur une île. Je m'en fous, je vais plonger, je vais nager, non, je m'en Thomas, fous. Non. Donne-moi ces clés. Katia, est-ce que tu m'aimes? Je crois, oui. Je t'aime aussi. Oh, mon amour. Embrasse-moi. Thomas. 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 Jamais venir ici, Katia. Katia, Katia. Partons. Je veux t'arracher à cette ville. Je ne vais nulle part. Je veux rester avec lui. Avec qui? De qui parles-tu? De Thomas. On s'aime encore. Katia, qu'est-ce que tu racontes? On s'aime encore. Tu dis n'importe quoi, Katia. C'est impossible. Katia, j'ai promis que je te rendrai heureuse. J'aime Thomas. C'est je l'aime. C'est impossible, Katia. Non, non, je ne veux pas. Vieux. Katia, je vais te soigner, je te le promets. Tu iras mieux. Tu es malade, Katia. Allons-nous? Reviens. Je t'en prie. Thomas! Non, non, écoute, Thomas nous a quittés. Il est mort. Ça fait 10 ans qu'il est mort. Katia, Katia, non! Qu'est-ce que c'était ?
Katia! Moi, maman. C'est ma faute. Étrange la nuit dernière. Il y avait un immense feu. Quelque chose brûlait. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'était étrangement familier. J'avais l'impression que c'était la fin d'un monde. Ou peut-être le début d'un autre. Katia te manque, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Vous vous retrouverez sûrement un jour.